Salut à tous les gamers, c'est WarTech et bienvenue pour ce dernier épisode d'une longue série de top 10 frags de Last Top 10 avec des frags vraiment magnifiques à la carte aujourd'hui. À la 10ème place, on attaque avec X-Aim Gozo qui va prendre son javelin, viser un spot un peu au hasard comme ça sur Rundown. Et regardez bien, PAM! 6-1 au javelin, assez random, un beau clip. À la 9ème place, X-Stunt, va pirater deux colis. Et vous allez voir que ça paye pas mal sur Black Ops. Il va tout simplement faire une 5-1 au colis piégé. Un joli clip, une belle tactique de jeu. À la 8ème place, Wu Tang for Life va mettre un hitmarker, un deuxième et sortir une triple à l'intervention thermique. À la 7ème place, Airplay Fury va faire un joli catch-shot et faire un cut across map pour la killcam de victoire. Je me suis dit quand même, un beau trickshot ça vaut le coup pour ce last top 10. Regardez-moi ça, magnifique, planté en plein dans la gorge. À la 6ème place, on retrouve Zidarko qui joue sur Black Ops au PSG 1. Il va scoper par là-bas et boum! Petite triple au PSG 1. Alors que moi je mets 4 hitmarkers par mec. Magnifique. À la 5ème place, BM1595 va tirer à travers la haie. Boum! No scope collate shot en wallbang. À la 4ème place, DJ Seco. Enfin, Skio, pardon. DJ Skio, pardon. Va faire un clip magnifique sur Code 4, honnêtement. Il joue sur PS3, il va faire un frag là. Un deuxième là, et là, la magie opère. Jump triple pour la quad feed. Il s'arrête pas là. No scope pour deux fois la quad feed. Un incroyable clip. On rentre dans le top 3. Et là, ça commence à devenir vraiment violent. ATC Cry va faire ce magnifique spot sur sub base. Il va se taper quelques hitmarkers morphine, comme d'habitude. Il va en tuer 1, 2, 3, un quatrième et collate pour une 6 feed. Magnifique. Regardez, j'ai mis un petit ralenti parce que c'est vraiment magnifique d'avoir une 6 feed comme ça. Boum! La 6 feed au Barrett. Incroyable clip. À la deuxième place, là, une des plus belles killcams réalisables à ce jour. Une triple wallbang sur Black Ops en killcam finale. Et à la première place, un clip que pas mal de monde a vu, mais qui reste le clip le plus magnifique à rentrer sur Call of Duty. Une quad headshot. Tout le monde a vu ce clip de High Fears, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre premier. Ça représente le plus beau clip réalisable sur Call of Duty. Et voilà, on arrive à la fin de ce dernier épisode du Top 10. Donc, le prochain épisode aura lieu le 11 novembre 2011 avec un thème encore inconnu. Je vous invite à bien vous abonner à ma chaîne pour avoir des news pour justement ce top 10. J'aimerais aussi poser une question à tous les abonnés de Code QG et les miens aussi qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous voulez voir, parce que je sors donc mon best-of montage de MW2 normalement dans le week-end, est-ce que vous voulez voir une promo sur Code QG qui renvoie le lien directement à ma chaîne pour pouvoir voir le montage en entier? Laissez dans les commentaires votre avis si ça vous intéresse ou si vous trouvez que ce n'est pas juste vis-à-vis des autres qui ne peuvent pas uploader des promos. Je comprendrai très bien, donc partagez bien vos avis, on prend tout ça en considération. Donc voilà, une pause de 2 semaines pour les top 10, j'espère que ça va pas trop vous manquer. Je vous invite à aller voir ma chaîne WarTech Gaming si vous voulez voir d'autres gameplays de plusieurs choses. Et bien sûr, on va se retrouver très bientôt, comme vous le savez, sur MW3. C'était WarTech, allez ciao tout le monde.